Et là, je peux même rajouter une route ici. Et cet entrepôt-là, c'est du charbon. Et donc, tout le charbon qui vient là, je le réimporte là-bas pour le réinjecter dans tout ce qu'il me faut en fait. Parce que mes entrepôts, je peux les faire communiquer. Et donc là, mes entrepôts, ils communiquent sans problème. Et oui, en effet, j'ai l'impression que les ronds, par exemple, le rond là qui part vers les conducteurs sont plus gros. J'ai l'impression. Donc c'est peut-être. Donc vraiment d'avoir centralisé les ressources, à mon avis, on doit économiser un petit peu. Plutôt que d'envoyer plein de petites quantités, en fait, on centralise tout et après on envoie en grosse quantité vers les usines. Ce qui est moins déconnant en fait. Niveau logistique, c'est moins déconnant. Bon, ça commence à y avoir de l'activité hein, quand même, mine de rien. On va prendre une automatisation en plus. Et on va exporter de la dynamite en vrai. Hop. Voilà. Alors en vrai, il y aurait peut-être moyen de faire mieux. Alors le gaz, je fallait que je voie pour le gaz. Bon, le gaz en vrai, j'ai pas trop de soucis. Mais il me faudrait. Attendez, je vais juste sélectionner une sortie de gaz. Et voir où est-ce que je peux en avoir une grosse quantité. Là, ouais, là je peux en avoir une grosse quantité. En vrai, la meilleure quantité, c'est par là. Donc, ce qu'on va faire. Parce que moi, du propergol, là, je commence à en avoir marre de ne pas pouvoir en produire. Donc, on va prendre le propergol. Alors. Et l'usine de batterie, mais surtout, j'ai vu qu'il y avait le propergol. Le propergol gazeux. Là, voilà, propergol gazeux. Donc moi je propose, c'est on pareil, on centralise un petit peu de gaz et on fait une usine à propergol. Alors on va déjà faire l'usine à propergol gazeux. Donc là c'est pas ça vaut pas le coup. Là ici, on va la mettre ici. Et on va faire des pompes à gaz tout autour. Oh là 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 là. C'est que ça part en cacahuète là. Plus mon gaz dans le. Je vais même en chercher jusque là-bas quoi. Ça c'est pas forcément utile quoi. Bon, ça va, c'est pas la mort non plus.
Yes. C'est ça qu'on veut. Bon, je commence à réavoir des soucis d'énergie. Si ça avait augmenté nos 10, je vais prendre le risque. Ah oui, il me faut 1 million quand même. Bon, hop. Ça peut être honoré, donc on le fait. Alors, j'avais aussi autre chose. C'est ça, là. Je l'ai jamais évolué à fond. Alors que ça coûte pas si cher en plus. Et éventuellement. Parce que ça lisse énormément ma. Ma consommation. Mais en vrai. En vrai. Et en vrai, c'est un bon indicateur. Parce que là, voilà, j'arrive jamais à l'avoir chargé. Donc, moi, je pense. Augmenter la centrale à charbon. Après, c'est quoi là? Voilà, évidemment, c'est hors de prix. Mais la question, c'est question charbon. Je suis comment niveau charbon? 130 seulement de plus. Hein. C'est pas génial, génial. Augmenter un tout petit peu l'export. Augmente encore un tout petit peu, s'il te plaît. Allez, 18 000. Voilà. Voilà, 40 par seconde. Ça augmente un peu mes revenus. Et puis, de toute façon, ça. Voilà, ça peut suivre. Le gaz naturel, je suis toujours dans la sauce, en fait. Donc, le propergol gazeux, ben ça consomme un peu trop. Et je suis même pas niveau 10, hein, donc ça peut la galère là. Hop, on peut refaire une pompe à gaz ici. Une pompe à gaz ici. Une minute avant la prochaine demande. Fait, mon problème, c'est vraiment un problème d'énergie. Vraiment un problème d'énergie que j'ai. Et mes ventes là, elles se font pas? Si, j'ai une vente qui est partie. Qu'est-ce que je peux vendre encore? Vaudrait le coup. Ouais, le charbon, la dynamite. Dynamite. Allez, hop. On va juste hop. Allez. C'est parti. Donc j'ai une nouvelle demande. Ça peut être honoré. 80 000. Hop. Plus de gaz.
Plus de gaz. Nickel. Super, super. Et on va monter l'usine de charbon. Ouais, bon, c'est pas. Oh là 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 là, ça chute, ça. Un entrepôt vers la Syrie. Ça me ferait économiser de le désactiver. En plus, il n'est pas rentable. Donc en vrai, ça me permet d'économiser du carburant, de le couper. Tant que j'ai pas besoin de planches, de toute façon, c'est pas un souci. Et des planches, de toute façon, là, j'ai quasiment 1 million. Donc c'est pas un souci. Je peux. Ok, je peux arrêter d'exporter la dynamite pour plutôt exporter du propergol, ce qui est plus rentable. Ça, c'est grâce à mon propergol gazeux, même si le gaz, je crois que je suis pas bon, hein. Si, je suis de nouveau positif en gaz. Ah, c'est bon, les deux extracteurs que j'ai mis en plus, c'est bon. Ça a rentabilisé. Ça. Alors, j'ai toujours les piles qui sont dans la sauce. Le pétrole brut, c'est bon, je suis à plus 1K par le pétrole brut, c'est bon. Je pourrais même refaire une ou alors monter une Est-ce que le plastique je suis bon aussi? Parce que le plastique, j'avais une galère. Ouais, le plastique, c'est bon aussi. Alors les piles, je suis bon, mais parce que simplement l'usine de jouets est coupée pour le moment. Ah, de l'acier. Tiens, ça faisait longtemps qu'on m'en avait pas demandé. Hop. Donc ça, ok. La question, c'est est-ce que l'acier, est-ce que d'avoir rajouté. Tiens, d'ailleurs. Hop, on va le mettre carrément avec niveau 10. Et on va regarder un petit peu si ça me met dans la sauce quelque part en fer. Ça me met dans la sauce en fer. Donc ce serait peut-être pas déconnant de faire. Bah de rajouter une mine de fer. Tout simplement. Et tout de suite. Immédiatement. Hop, la rajouter dans les routes. En fois 10. Voilà. Après, j'ai 1 million de fer, hein. Mais ça va, c'est j'ai de temps en temps des pertes. Alors, il faut vraiment que je comprenne les graphiques. Parce que voilà, il y avait ces graphiques-là. Par contre, ça va très très vite, quoi. C'est le problème. Oh, le réseau électrique, ça chie. Il faut vraiment que j'améliore mon réseau électrique. Mais le fer. Le fer.
Voilà, c'est ok, donc c'est ce genre de choses, par exemple les jouets par exemple. Ouais, les jouets, je suis en chute libre quoi, mais c'est à cause de l'échange. En fait, ça dépend vraiment en fait. Hein, mais ok. Ouais, ça dépend surtout de l'énergie parce que j'ai des grosses chutes et c'est pendant les grosses chutes là que j'ai des soucis. Alors, il va, qu'est-ce que je fais? La question c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais une centrale à gaz? Ou est-ce que non, je vais augmenter celle à charbon. Hein. Après du charbon, j'en apporte de là-bas. Est-ce que après je pourrais encore en apporter d'un peu plus loin. Je pourrais faire ça. Hein. Allez, hop, on va faire ça rapidement. Parce que j'anticipe le fait que voilà, il va en falloir arriver à un moment quoi. J'ai pas une demande en attente là. 10 secondes. On va attendre la prochaine commande. Voilà, et donc centrale. J'ai pas assez. Ok. Hop. Est-ce que... pour le moment, avant de débloquer d'autres bâtiments, je vais équilibrer. Hein. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps avant que je... Notre batterie... Si je mets une autre batterie ici, par exemple. À côté d'une centrale. Non, 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 d'accord, ok. Il faut à côté d'une centrale. Donc... On peut la mettre à côté de la centrale à charbon. Ouais, mais c'est pas ouf, il n'y a pas de... Si je me mets là... Non, faut vraiment que ce soit au contact. Bah, ben, on va se mettre là, hein, pas le choix. Ben ça, j'ai l'air d'avoir résolu mes problèmes d'électricité. Par contre, j'ai un problème de d'apport en carburant. Donc il va me falloir une... Alors, ou alors... Vas-y, augmente la raffinerie qui est là. Augmente la raffinerie qui est là. Si je te dis... non, on va plutôt utiliser ça. Le fait d'avoir augmenté la raffinerie ici, eh ben ça a l'air d'avoir résolu le problème. Non, pas tout à fait. Alors, pas tout à fait, mais c'est en bonne voie.
Ça a l'air d'aller mieux. J'ai juste une petite chute après. Mais ça a l'air d'avoir résolu énormément de soucis. De l'avoir augmenté. 30 secondes avant la prochaine commande. On va vendre. On va faire de la vente. Moi pour moi, le truc à vendre, ça se vend pas cher, c'est le problème. On le vend à 10 unités, mais par contre on peut en vendre quasiment 1 million. Ouais, donc on va en vendre 1 million. Putain, et pour seulement 10 pour seulement 10 millions. Ça vaut rien, ça vaut rien. C'est ça le problème. En vrai, ça vaut rien le pétrole brut en vrai. Ouais, je le vends. Allez, je vends 1 million de pétrole brut pour 10 millions. C'est pas ouf. Mais au moins on est sûr que ça part quoi. On est quasiment sûr que ça part. Mes chaussures ne partent pas par contre elles. Hein, D'accord, je pensais qu'il allait distribuer là-bas. Mais pourquoi il distribue directement C'est un peu idiot ça. On peut pas l'empêcher de faire des chemins. Parce que ça, c'est un peu bête. Oui, bah évidemment que c'est parti ça. Évidemment, 1 million de carburant pour... Enfin, de pétrole brut pour 10 millions. Évidemment que c'est parti. C'est parti très vite. Mes chaussures, ça part pas. Donc, elles partent pas. Donc, on va abandonner l'idée. Les semi-conducteurs, ça pourrait valoir le coup. Vendre des semi-conducteurs. Non, le charbon, j'ai dit que je gardais. Ah, les piles! Ouais, je peux en vendre que 2K, mais... Ouah, ça fait 2 millions. C'est pas ouf. Mais ça, je suis sûr que ça part, mais seulement pour 4 000, quoi. C'est pas non plus ouf. Allez, hop. Ouais, le marché est pas dingue là pour le coup en ce moment.
Je regarde juste un truc. Je suis en train de me dire un truc, c'est si ici par exemple, ici si je faisais un entrepôt pour en fait centraliser mes entrées de gaz et après redistribuer ici et ici, c'est à peu près équidistant, hein, ici ou là, j'ai 15%, moins 20% ici, ok d'accord. Ici je suis à 15% par exemple, voilà, ici je pourrais faire un entrepôt à 15% et qui distribuerait, voilà, qui juste centraliserait le gaz en fait. Un entrepôt de gaz en fait, tout simplement. C'est à l'étude. On va dire que c'est à l'étude. Après, je peux voir les stocks internes. Là, par exemple, j'ai beaucoup de charbon qui s'accumule. Du verre, là. Je suis en train de faire du verre, mais est-ce que j'en exporte du verre? J'en exporte pas en vrai, hein. En vrai, je devrais l'arrêter le verre. Hop. Je vais l'arrêter. Temporairement, je vais l'arrêter. Mes batteries, ça va, je suis à 300K. Je pourrais relancer. Je vais laisser encore un petit peu chuter les jouets, mais je pourrais relancer sans problème. Bon, niveau pétrole, je suis bon. J'ai plus de pénurie, j'ai plus vraiment de gros soucis. Sorti. J'ai dit ça et puis je viens d'avoir une chute là, mais ça a l'air d'être anecdotique, on va dire. On va dire que ça a l'air d'être très très anecdotique. Attends, de l'entrepôt vers l'usine. Ah oui, parce que de cet entrepôt là, ça m'emmerde ça. Je voudrais pas qu'il envoie là-bas, lui. Parce que c'est le trajet qui consomme le plus de carburant, alors qu'il ne devrait pas être. Il devrait s'envoyer d'entrepôt en entrepôt et lui devrait servir uniquement dans cet entrepôt. Est-ce que je peux. Je peux faire ça. Distance maximale. Donc pas neuf. Parce qu'attendez, parce qu'il lui faut quoi lui? Il lui faut de l'aluminium. Là, il a pas accès. Si, il a accès à l'aluminium par l'entrepôt, de toute façon. Il a accès à tout par l'entrepôt. Donc, qu'il fasse pas chier. Je suis sûr qu'une distance de 4, c'est suffisant. Ouais, voilà. Et donc là, j'ai réduit. Parce qu'il est obligé de s'alimenter uniquement via cet entrepôt, parce que je le limite. Et par conséquent. Si je regarde cet entrepôt. Pareil, lui, est-ce que je peux pas le limiter? Lui dire, mec. Non, je peux pas. Donc lui, pareil. Lui, je vais le limiter.
Ça portait à 5. Un rayon de 5 blocs. Ouais, voilà. On va limiter un rayon de 5 blocs. Et lui, pareil, on va le limiter à un rayon de 9. Attendez, la distance à partir de laquelle... mesurer un nombre de tuiles. Ouais, bah voilà. Hop, on va mettre 9 tuiles. Et puis là, résultat, il ne va prendre lui que pareil dans l'entrepôt. Et donc maintenant, l'entrepôt, là, voilà, il n'a plus qu'une seule route. C'est ce que je veux. Je veux que cet entrepôt n'ait qu'une seule route. En vrai, on pourrait faire tout un réseau pour le carbone, le tout ça. Enfin, tout ça. On pourrait faire des réseaux en fait d'exploitation lointaine, si vous voulez, de carbone, tout ça, centraliser avec des entrepôts et envoyer tout ça au centre en fait. On pourrait faire ça. Mais bon, après, c'est coûteux. C'est coûteux de le faire. Bon, écoutez, pour moi là, tout est équilibré. Donc, on peut partir sur un nouveau bâtiment. Partir vers un nouveau bâtiment, vers pourquoi pas l'usine de batterie. Je suis en train de. Je regarde un petit peu, hein, voir s'il y a quelque chose qui pourrait me plaire. De fibres. Hein. Les fibres, c'est quoi? Du verre et du plastique. En vrai, les fibres, pourquoi pas. Appareil photo, ça a l'air chaud. Usine de robots. On va faire un peu dans l'ordre quand même. On va faire un peu dans l'ordre. Donc une usine de batterie. Hop. On va vraiment faire au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on tombe en déséquilibre. Là, il a besoin de quoi lui? Plastique, fer et planche. Pourquoi des planches? Bon, il a besoin de planches en tout cas. En vrai, on va plutôt le mettre là. On va le mettre là. Donc il y a besoin de plastique, de fer et de planches. Donc lui, on va lui dire autre chose. On va lui dire, dans l'idée, tu rajoutes cette raffinerie, mais pas pour le pétrole, pour le plastique. Ah, c'est des batteries, d'accord. Je pensais que c'était des batteries électriques, moi. En fait, c'est des batteries des instruments de musique. Bon, pourquoi pas. Hein. Oui, c'est pas de planche en production. En même temps, est-ce que ça vaut le coup? La question est, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Ok. Donc ça vaut le coup de faire des batteries, donc on y va. Hein, voilà. Hein, hop, toi, là, tu vas rajouter une route. Tu vas même chercher des planches.
comme ça, voilà, ça, c'est juste, je centralise un petit peu, et puis bah, toi, tu te relances, hein. Après, je dois avoir du stock en planche, hein, donc c'est pas trop le souci. Et puis ben on va exporter alors, hein. On arrête d'exporter des chaussures pour exporter de la batterie. Et limite même, j'ai envie de dire, ben les chaussures, on en est où là? On est à 2 millions de chaussures. Allez, hop, désactive. On en aura largement assez pour un gros bout de temps. Ouais, d'accord, donc drum, hein, évidemment, pour... voilà. Ok. Cette ressource, qu'est-ce que ça nous fait niveau... Ça fait que le fer, je suis encore en galère. Donc moi, je dis le fer... On va faire un petit peu comme le charbon, c'est-à-dire qu'on va en exploiter quelque part. En vrai, du fer, il y en a un peu partout. Hein. C'est pas... Je peux exploiter ces trois fers-là, puis les envoyer à l'entrepôt. Hein. C'est pas... Allez, on va faire ça. Hop. Mine de fer. Mine de fer. Et mine de fer. On va créer trois nouvelles mines de fer. Déjà ajouter cette route, non pas encore. Hop. J'ai des soucis. J'ai des soucis. Alors, le carburant encore, c'est pas dramatique. Par contre, en termes de... C'est en termes d'énergie. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Mon réseau électrique en chie. Et il en chie parce que j'ai pas assez de charbon. Faut que j'importe plus de charbon. Apparemment, l'entrepôt est trop loin. Pourtant, il n'est pas à 9 cases. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5. Je dirais qu'il est à 6 cases, quoi. Il n'est pas à 9 cases, quoi. Bon.
Bon, c'était ça le problème. Mais ce qui signifie aussi que lui... Non, il n'a pas l'heure d'envoyer à la centrale. Mais parce qu'il n'y a pas longtemps, il l'a envoyé à la centrale encore. Il n'y a pas si longtemps que ça. Bref. J'ai une commande que je ne peux pas honorer parce qu'il me faut plus de batterie. Ça doit le faire, ça doit le faire. Voilà. Ah, c'était pas celle-là, mais c'est pas grave. Parce que... Oui, bah c'est bon, c'est bon. Ok. Je pense qu'il va falloir encore que j'améliore ma raffinerie là. Hop. Hop. Et peut-être une deuxième raffinerie. Ma deuxième raffinerie. Cette raffinerie là, il faudrait que je l'améliore, mais il faudrait que j'améliore les... Surtout les mines autour en fait. Parce que niveau gasoil, j'en suis où là? À niveau pétrole brut. Et oui. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils clignotent? Je sais pas pourquoi j'en ai qui clignotent alors qu'il n'y a pas de raison quoi. Parce que c'est mes exports. Ok, ça clignote parce que ce sont mes exports. C'est ça. Alors, jouer, c'est désactivé, mais les piles, la batterie et le propergol, je suppose. Non, lui, il clignote pas. Si, 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 il clignote, il clignote. C'est parce que c'est... Est-ce que... Ouais, non, c'est bon. Alors, on va rajouter un tout petit truc. On va rajouter une route supplémentaire. C'est celui-là. Toujours pas pour le pétrole, mais pour le plastique. Voilà, comme ça on apporte encore plus de plastique dans cet entrepôt qui contient beaucoup de ressources. Hein. Bon, il contient un peu de pétrole raffiné, mais c'est parce que c'est un peu d'import qu'il y a eu par erreur, parce que voilà quoi. Mais sinon, voilà quoi. Ok. Cet entrepôt-là, c'est vraiment le cœur de tout notre système de production à l'est, là. Hein. À l'ouest, pardon. Ok. En train de réfléchir. Ben, on va se lancer dans une nouvelle pièce, dans une dans un nouveau bâtiment de guitare, ouais, enfin voilà quoi, il y a les instruments de musique quoi, en gros. Pourquoi pas, on peut faire des instruments de musique, hein, donc on a la guitare et puis on va faire les écrans aussi, voilà, on va en faire deux d'un coup. Donc on a dit guitare. La guitare, bah juste à côté là. Tiens, ça c'est très bien ça. Ça demande du plastique et des planches. C'est nickel. Allez, hop. Hop. Ça se vend ça? Ouais, sauf que ça se vend pas. Bon, bah, on va laisser augmenter un petit peu, mais on... Voilà, hein. On va laisser un tout petit peu augmenter le stock, mais en vrai, c'est destiné à disparaître. Enfin, à disparaître, à être désactivé.
Et on avait dit les écrans, hein. Usine d'écran. Qu'on va plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut du verre, du plastique, du silicium. Ah, il faut du verre, donc ouais, donc il va falloir que je réactive de toute façon mon usine de verre. J'ai dit verre, plastique. Le plastique, il y a l'entrepôt pour ça. Et le silicium, pareil, ça passe par l'entrepôt. En vrai, je. Ah oui, mais il y a du gaz là. Ah, ça me fait chier parce qu'il y a du gaz. Donc je vais plutôt le mettre là. Plutôt le mettre là, l'usine d'écran. Les planches, ça fond. Hein. Ok, question, les écrans. Et les écrans, ça se vend bien. Les écrans se vendent bien, donc on va vendre de l'écran. Oui, il faut que je réactive mon verre. Oui, c'est vrai qu'il est aussi à la place d'une centrale de gaz, mon verre. C'est un peu con. Il me faut 1 billion pour pouvoir faire un export de plus. Mes planches fondent, mais c'est normal. Et moi, c'est le pétrole raffiné qui m'alerte un petit peu, hein. Faudrait vraiment que. Faudrait vraiment que j'améliore ces puits-là. Et puis quitte même à ce que je refasse une grosse. Alors, attendez, par contre, question énergie, là, j'ai l'impression que tout va bien, là. Question énergie. Question énergie, tout semble bien aller. Et question carburant aussi. Alors moi je suis en train de me dire un truc. Ici, je ferai une centrale électrique à pétrole. Et ici une raffinerie. Et j'exploite tout le pétrole qui est là pour produire de l'électricité. Avec des puits de pétrole, une raffinerie et un truc et tout. Et je limite le rayon d'import justement pour que tout soit centralisé ici. Moi je dis c'est pas déconnant. Moi je dis, là je fais une centrale électrique. Là je fais ma raffinerie de pétrole.
Donc je vais la désactiver tout de suite, hein, par contre. Hein, pour le moment, c'est un projet, ça. Ça, c'est un projet, justement, pour avoir, pour faire encore plus d'énergie. Et après, j'exploite. Là, j'ai pas mal de pétrole. Si je clique là, voilà, tout ce qui est en jaune, là, c'est du pétrole. Et je me dis que ça serait pas déconnant, quoi. Toc, toc, toc. 5. Non, pas 5. On va dire 7. 1, 2, 3. Ouais, on va dire 8. On va limiter un petit peu le rayon d'action. Dommage qu'on voit pas ça, le... Bref. Hop, voilà, là on a... Ouais, ok, alors pour le moment on va désactiver parce que... Elle est en train de... Voilà, je la monte déjà niveau 10. Je la monte déjà niveau 10. Par contre, pareil, son apport, hop, je le limite. Je le limite, et là, je fais que des centrales... Enfin, que des puits de pétrole. Donc comme je dis, tout ça c'est un projet, hein. Donc on va laisser ça comme ça. Mais c'est un projet qu'on voilà, qu'on va faire un petit peu au fil de l'eau. Mais surtout la priorité c'est on va terminer d'abord le développement ici. On va d'abord terminer le développement ici. Et voilà. Un petit peu limité. Vachement limité. Il me faudrait un. Voilà, ouais, il me faudrait un. Là, il me faudrait un gros gros contrat, là. Idéalement. 73 millions. Ouais, bah, non, de toute façon, je vais l'accepter, forcément. Hein. Alors, on va plutôt mettre celle-là. Ouais, puis l'écran, je voulais le mettre aussi, mais bon, c'est pas grave. Ça, à la limite, c'est pas grave, on en exporte assez, ça. Évidemment. Bon. Comme je dis, il va falloir d'abord celui-là, je vais maximiser. Ah là là là, excusez-moi, hein, je parle pas beaucoup, mais en même temps, voilà, c'est un jeu de réflexion. Donc on va. Voilà. J'ai quelques petites chutes de pétrole de temps en temps.
Mais dans l'ensemble, ça va. Puis j'ai un gros stock, hein. J'ai un gros stock, hein, donc ça va. Mon électricité galère. Va falloir que je fasse une autre centrale à gaz. Et on va dire ce que et on va faire ce que j'ai dit. Alors, je ferais bien une centrale à gaz par là. Genre ici, ça me paraît très bien. Je peux mettre une batterie à côté. Après, j'ai une autre idée aussi. J'ai une autre idée que je n'ai pas exploitée, alors qu'elle est toute con. Et puis surtout, en fait, je peux le faire ici aussi. Une batterie, je peux la mettre là. Non, faut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit adjacent. Donc, on va mettre une batterie ici. Alors, je veux que j'ai beaucoup de choses qui fluctuent. Mais la question, c'est le gaz. Le gaz, alors, le gaz, je suis en perte, mais pas tant que ça. Ce qui est plutôt bon signe. Donc, en vrai, là, je vais exploiter le gaz qui est là pour le moment. Donc, je vais faire une pompe à gaz ici, une pompe à gaz là. Une pompe à gaz ici. Ah oui, d'accord.